Alors, bijoux, bijoux, te réveille pas surtout. Ça serait l'histoire d'un gars qui s'est endormi au coin d'une table. À moins que ce soit le monde qui se soit endormi autour de lui. On pourrait l'accompagner dans la forêt inextricable de ses rêves, où des figures du conte ou du théâtre viendraient le visiter en songe. Il est à la recherche de la scène de sa vie. Ouais. Enfin, faudrait pas que ça tourne au cauchemar. Au milieu d'une clairière, il va tomber sur une petite bande d'urubus travestis. Des oubliés du monde, pour ainsi dire. En compagnie desquels il retrouvera son chemin. Il faut qu'à son réveil, il soit revenu sur la scène de sa vie.